Les hors donc de critiquer Israël dans sa réponse si on la qualifie de disproportionnée et d'inhumaine. Mais c'est pas incompatible. Mais c'est quoi une réponse proportionnée? Il fait ni l'un ni l'autre. Bon, okay. C'est le problème. Okay. Mais c'est quoi une réponse proportionnée par rapport au terrorisme? Vous voulez que... Je me suis suffisamment exprimé sur ce plateau. Justement, mais j'étais pas là. Donc, quand on parle de réponse proportionnée. Justement. J'ai envie de m'exprimer en votre présence. Ah, ben justement, moi je vous regarde dans les yeux, je te regarde dans les yeux, Karim, comme je le fais à chaque fois depuis 20 ans. C'est que c'est compliqué pour toi. Je sais que c'est compliqué, maman, il faut assumer. Il faut assumer. Ça veut dire quoi une réponse proportionnée face au terrorisme? J'aimerais bien que tu l'expliques. Ça veut dire quoi une réponse proportionnée face au terrorisme? J'aimerais bien que tu nous l'expliques puisque tu connais bien le sujet apparemment, mais encore une fois, je te l'ai dit plusieurs fois. Il n'y a pas, on n'est pas amis, donc arrêtez. Très bien. Ouais. Mais là, on voit la gêne. C'est normal parce que quand on dit. Pas de gêne. Je veux dire, mais oui, mais quand on est à côté de la plaque. Mais quand on est à côté de la plaque. On peut dire proportionné, ça veut dire quoi que. Pas de gêne. Ça veut dire que l'armée israélienne devrait faire ce que le Hamas a fait le 7 octobre. Je vais débattre avec quelqu'un comme vous qui est un expert en manipulation, c'est aussi mon droit. En manipulation, mais pas du tout. C'est aussi mon droit. Mais à chaque fois que vous perdez un débat, vous parlez de manipulation, vous parlez de. Débat. Oui, vous parlez de. Vous parlez quoi, c'est l'octobre? De stratagème. Vous parlez de stratagème. Vous parlez de. On parle de vie humaine. Mais je vous pose des questions. Mais arrêtez, arrêtez. Arrêtez.